trois membres de sa famille dans l'attentat de Nice le 14 juillet dernier et qui a voulu expliquer que sa confession, elle est de confession musulmane et qu'elle ne se reconnaissait en rien dans les actes barbares qui ont été commis ce jour-là. C'était un moment de forte émotion, elle n'a pu retenir ses larmes. Émotion également au moment de l'intervention d'Arthur Desnouveaux, c'était la deuxième personnalité à parler ce matin. Lui s'exprimait pour l'association Life for Paris et il a cité un certain nombre de noms de victimes en s'exprimant à la première personne, en exprimant à chaque fois ce qu'ils faisaient dans leur vie en quelques mots. Et c'était un moment également de grande émotion qu'ont ressenti toutes les personnes qui étaient là ce matin, plusieurs centaines sur cette esplanade des Invalides. Merci Jeff, et vous restez avec nous, on vous retrouvera tout à l'heure, on voit les images en direct de ces fleurs qui sont déposées par les proches de victimes, par les anonymes aussi présents, par les responsables d'associations de victimes du terrorisme, par terre devant cette stèle et maintenant quasiment remplie de ces roses blanches dont on a suivi tout à l'heure le dépôt, 10 par 10, 230 roses pour 230 victimes, 230 noms, 230 visages. Alors, Jeff nous parlait à l'instant effectivement d'une prise de parole qui a beaucoup ému tout à l'heure, qui nous a ému, nous aussi en plateau. Les associations, Yasmine Bourzegan, Marzouk. Voilà le message de l'annonce pour le dépôt des herbes. Je disais Yasmine Bourzegan, Marzouk, qui nous a effectivement beaucoup ému. Et bien, Astrid Desmorian est avec elle. C'est à vous, Astrid. Oui, Julien, bonjour, Madame Marzouk, merci. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez donc perdu trois personnes de votre famille sur la promenade des Anglais en juillet dernier. On a vu tout à l'heure vos mots émouvoir considérablement l'assistance gouvernement, opposition. À votre avis, selon vous, à quoi servent